les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, une nouvelle vidéo, donc une petite tier list. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, et aujourd'hui sur My Hero Academia, tout simplement parce qu'il y a la saison 6 qui est en train de se dérouler. Attention, je vais pas spoiler ni rien, mais cette tier list, je vais probablement parler des choses dont je me souviens, des arcs. Donc si vous avez pas vu l'animé encore, faites attention, il y aura peut-être des spoilers. La saison 6, c'est un gros banger. Il y a des trucs de fou qui sont en train de se passer. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire une petite tier list des arcs. Alors malheureusement, j'ai trouvé une tier list, mais il manque la saison 5. Donc c'est pas grave, la saison 5, je vous la dirai à l'oral. Et comme vous pouvez le voir, juste ici, il y a une petite statue d'égout. Statue, petite figurine d'égout. Alors pour l'anecdote de cette petite figurine, c'est que j'ai un pote tout simplement qui est allé au Japon, et il a ramené une petite figurine d'un manga qu'on appréciait à chacun de notre groupe de potes. Du coup, bah, moi j'ai eu des goûts. J'ai un ami qui a eu Luffy et un autre ami qui a eu Trafalgarlo, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, donc super cadeau, il a été super gentil et tout, donc super. Alors petite tier list sur MHA, qui est un animé que j'apprécie beaucoup puisque c'est un truc de super héros, ça se castagne et tout, tout simplement. Voilà, donc on est parti. Tac. Donc voici la tier list. Vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 arcs. Et donc on va tout simplement les classer. Alors il manque peut-être quelques trucs, peut-être des arcs pas très importants, mais il manque notamment la 5e saison, puisque comme vous le voyez, il n'y a pas l'entraînement contre la classe de seconde B, ni le super combat qu'il y a eu entre tous les vilains, donc notamment Ridestro et Tomura, pardon. Donc voilà, par contre vous voyez qu'on a la saison 4 ici avec contre j'ai oublié son prénom malheureusement, mais le mec qui peut se transformer machin et tout, bref, qui s'est fait pulvère par Deku et Eri tout simplement. Ici on a aussi de la saison 4, la toute fin, quand Endeavor et Hawks se battent contre le High Ends, donc le Brainless super modifié qui sait parler, etc., etc. On a de la saison 2 par ici si je dis pas de bêtises, saison 1 ici aussi, bon bref, vous avez capté. On va commencer du coup par l'arc où ils sont allés battre du coup cette alliance de super vilains. Si on prend l'arc dans sa globalité, S-tier, je vais mettre qu'une. Je vais pas mettre beaucoup d'arc. Je vais me contenter de 3. Comme ça, ça sera un peu hétérogène. Donc, il faut que je fasse ça bien. Du coup, cet arc-là, les combats sont pas mal. On a un Red Riot qui se donne à fond, un Deku qui donne à fond, un Mirio, c'est ça, Mirio, qui se donne à fond malgré qu'il ait perdu son alter et tout, trop fort. S-Direct, on a aussi un Deku qui se met à 100% avec Eri, bon bref, excellent. Très bon combat, d'autant plus que moi j'aime pas trop les histoires de destin, toute race, etc. Et donc le perso qui pouvait voir le futur avec ses lunettes, il avait prédit la défaite de Deku. Finalement il a réussi à changer l'avenir. Donc voilà, banger, c'était exceptionnel. Alors celui-ci, le UA School Festival, pas exceptionnel, mais probablement un de ceux où j'ai eu le plus d'émotions, notamment lorsque on voit la petite Eri sourire lorsqu'ils ont fait leur concert, etc. Donc c'est un bon B parce que le fight est pas exceptionnel contre les deux. Voilà, c'était plus une sorte d'arc de transition émotionnelle, mais j'ai quand même bien aimé le regarder. Voilà, c'était très cool avec le concert qu'ils ont fait, etc. Donc j'ai apprécié. De toute façon, en général, My Hero Academia, j'ai tout apprécié. Je l'ai regardé
Qui contrôle pas encore tout ce qu'il fait, et pareil, le développement
personnage de Tomura, je le trouve bien, parce que la première fois qu'on le voit, on se dit son alter est fort, mais il est pas si fort que ça en fait, hein. C'est un humain qui peut juste s'il met ses 5 doigts sur quelqu'un, le désintégrer. Mais là, avec les power-ups qu'il a eu, ça devient vraiment un vilain intéressant en fait, compliqué à vaincre, d'autant plus qu'il a beaucoup de gens sous son ordre, sous ses ordres maintenant. Donc voilà. UA Sports Festival Arc. Où est-ce que je pourrais classer ça, puisqu'on a quand même une scène mythique avec Shoto qui s'énerve et tout. Est-ce que cette scène me permettrait de le mettre en S-tier? Est-ce que juste ce combat me permettrait de mettre en S-tier? Je sais pas. Je le mets en A, mais le premier de la liste. Parce qu'il y a... L'arc en soi est cool. Par contre, je peux pas le mettre en S-tier juste pour la scène où Deku fait une sorte de morale à Shoto et que Shoto il se met à 100%. Je peux pas le mettre là. Donc le combat Stein contre nos amis Tenya, Deku et Shoto, c'est un bon A aussi, pas S je ne pense pas, parce qu'il y a des arcs que j'ai préférés, tout simplement. Après Stein, caractère, enfin personnage très différent de ce que j'ai l'habitude de voir, notamment dans My Hero Academia, puisqu'il a pas un alter de fou. Il voulait être un héros mais il pouvait pas cause de son alter, du coup il a fait ça, il a eu une idéologie qu'il a voulu faire paraître au monde, etc. Donc il a ses convictions, il les a portées à bout. Pas mal. Donc l'arc final de l'examen, là où ils étaient par équipe de deux et ils affrontaient un professeur. Bon arc, mais sans plus, ça vaut pas un A, voilà. L'arc dans la forêt, banger, très bon arc. Le combat contre Musculaire, si je dis pas de bêtises, j'ai apprécié de fou tout ce qui se passe, Bakugo qui se fait attraper et tout, c'est probablement, quand j'ai commencé My Hero Academia, c'était mon arc préféré je pense. Maintenant, avec ce qui se passe avec la saison 6, je sais pas s'il va garder sa place dans le top, tout simplement. Et voilà, je me suis promis 3 arcs dans le S-tier, voilà le dernier. Donc l'arc, je ne saurais pas vous traduire ça, mais je pense que c'est l'arc où ils ont fait le raid pour sauver Bakugo. Je sais pas comment ça se traduit. Ou du coup on a le sauvetage. Moi cette scène là elle m'a marqué, puisque je sais pas si vous connaissez les AMV, c'est des moments d'animé avec une musique par derrière et tout, des montages. Et je regardais un AMV qui était exceptionnel sur ce moment là où du coup t'as Tenya et Deku qui poussent Red Riot et Jiro, et t'as Jiro qui tend sa main, et là t'as Bakugo qui envoie ses trucs de fou furie alors qu'il est entouré par tous les méchants. Banger, vraiment excellent. Et à la fin on a le droit à du cheddar sur les frites, comme dirait le règlement, avec le combat des deux plus gros antagonistes et protagonistes de leur époque, avec All Might et All For One. Banger, All Might qui est dans la tourmente, qui a des problèmes avec son alter mais qui arrive quand même à vaincre One For All, non All For One plutôt, et vraiment exceptionnel. Et c'est l'arc fin de saison 3, si je dis pas de bêtises, où ils essayent tous d'avoir leur licence de héros, leur espèce de permis de héros, où on voit plein de personnes assez fortes, qu'on se rend compte que même les meilleurs n'arrivent pas à avoir leur licence à cause de problèmes et tout. Donc très très bon arc, que je mettrai en B. Mais top. Le premier de B.
aux arts qui étaient présents dans celle-ci. N'hésitez pas à mettre la vôtre aussi pour voir si vous êtes d'accord avec moi. Si vous voulez que je refasse une tier list, mais cette fois-ci avec les héros ou les vilains, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous abonner, ce n'est pas déjà fait. Et on se dit à très vite pour